époustouflant. Il n'hésitera pas à qualifier de 8e merveille du monde. C'est ici, dans le bien nommé Stade des Champions, que s'affrontent les légendes. Quel plaisir de vous retrouver pour le choc ultime de cette UEFA Champions League. Le stade est littéralement fusionné. Les deux équipes risquent d'être un peu prudentes à l'entame. C'est une finale quand même. Jordan Anderson. Dans l'espace. Bonne intervention. Modric. S'il le trouve. Ouverture vers le poteau de corner. Cristiano Ronaldo. Ça peut faire mal. Attention, il y a des bons joueurs de tête qui sont montés. La balle, magnifique. Il va provoquer. Cristiano Ronaldo. Jolie technique pour créer l'occasion, mais la fin de l'action n'est pas à la hauteur du début. Cette rencontre a démarré sur les chapeaux de roue avec beaucoup de frappes. Il faut juste s'appliquer un peu plus. Ings, Daniel Carvajal qui perd l'équilibre. Et ce ballon sur l'aile, il joue dans l'espace. Quel geste! C'est le moment de centrer! Il repique dans l'axe. Oh, le duel! C'est joué long, c'est dangereux. Roberto Firmino, qui a un peu d'espace. Vous avez remarqué quand les latéraux ont... Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent porter de dégâts. Ings, la passe dans la profondeur. Casemiro, c'est joué long. Oui, là c'était magnifique.
passer. C'est bien fait. C'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Alors, qu'avez-vous pensé des 45 premières minutes de cette finale? J'ai trouvé les deux équipes très nerveuses, et c'est normal vu l'enjeu, mais plus ça va durer, plus ils auront peur de commettre une erreur qui peut coûter cher. Il va falloir quand même qu'une des deux équipes prenne le dessus. Pas de but, c'est 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Oh, Cristiano Ronaldo. Dégagement. Et c'est directement récupéré. Oh, Toni Kroos. Belle passe lobée. Voici Roberto Firmino. Il joue en profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Un peu d'air. Liverpool qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. La passe en profondeur est si vite arrivée, vous savez. Ça manque un peu de solution. Le ballon s'en touche. Liverpool qui procède à un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur a pas sa deuxième carte. De ce match, de ce trophée, de cette gloire.